Kuterels qui va justement essayer de trouver De Kenny de la tête vers Woolhart. C'est récupéré par Van Mekel, le contre favorable, et Salvay qui ne fait pas dans la dentelle, alors qu'ici il y a une carte jaune. Alors Bonanza ou Bartoli, c'est Bonanza. Caïman face à Giuliani. Caïman, c'est bien botté et ça fait 0-1, et ça c'est important. Superbe penalty, elle a vraiment tiré ça avec précision. Grève au duel, et Kuterels qui fait le ménage. Non, ballon contré, ça arrive chez Guani. Guani toute seule face à Missipo. Guani qui remporte son duel. Guani, et c'est la réduction et même l'égalisation. Un partout, Razuki. Mais quel travail de Guani sur son flanc. Jula Guani. Ça passe pour l'Italie. Attention, Guani qui dévisse complètement. Ouais, c'est bien fait. Cette passe vers Van Mekele. Van Mekele qui conserve le ballon, qui ouvre vers De Kenny. La frappe bien détournée par Giuliani. Delose pour la longue remise en jeu. Ça arrive chez Correin. Woolhart, attention ici, la tête. Superbe tête de Caïman. Et belle parade aussi de Giuliani. Ça joue bien, c'est précis là entre les Italiens. Le centre ici qui arrive chez Bonanza. Attention à ne pas encaisser. La frappe, si, ça rentre. Et c'est l'inévitable Girelli, la numéro 10. Il fallait la surveiller. Elle inscrit ici son cinquième but dans ses qualifications. L'Italie qui prend l'avantage sur la Belgique. Attention à cette frappe ici sur le poteau de Justine Odors. C'était cadré. Elle avait de l'espace.